hopefully it's not erased by the wrong button, but because... Ja, aber es scheint, das ist wirklich ein ganz großes Ding, dass bei den Flip-Kameras noch momentan ein Riesenunterschied ist zwischen Tonqualität und Bild. Der eine hat eine super Tonqualität und wirklich ein Scheißbild. Und die nächsten haben ein exzellentes Bild und eine scheiß Tonqualität. Matthias hat sich jetzt, Stiefvater hat sich jetzt eine besorgt, eine Sony besorgt. Auch wieder gute Tonqualität, aber der saugt nicht das Bild. Ja, bei den Flips ist momentan. Sieht das nicht so? Wie rufe ich denn hier meine Mutter? Das ist ja alles das gleiche. Die einfach auch keine Fassung. Nur mal, la première fois qu'il a pris ce genre d'appareil, c'était une flip caméra. C'était un type d'appareil qui enregistre des vidéos à en haute définition et à la fois maintenant, ce genre d'appareil est un peu un appareil de transition parce que pour l'instant, les GSM le font d'un côté, les caméscopes le font d'un côté. Donc pour l'instant, l'industrie essaie un peu de lancer ce genre d'appareil pour que les gens achètent ce genre d'appareil parce que bientôt, ce sont les GSM qui vont tous c'est comme ça. Il faut la paix. Dans 5 ans, les GSM vont faire tout ça dans la même qualité. Mais pour l'instant, ils essaient un peu de saturer le marché pour que tout le monde s'achète encore un autre appareil. Sont très bien parce que bon ils font mais pour l'instant on a soit qu'ils font un image excellent et un son mauvais ou bien ils font un son excellent et un image mauvais. Tu n'as jamais les deux pour l'instant, j'ai vu toute la gamme, ils disent ok, soit image magnifique, soit son. Il y a des appareils qui ont des micros comme ça, c'est pareil et tout, c'est vraiment super. Mathias il en a acheté parce que pour lui la musique est plus importante que l'image, il a acheté l'appareil parce qu'il assiste à des concerts. Alors, on a sur l'appareil, bah,